carré 2, les navets, pas de péronne, navet de Nancy, c'est retiré, c'est gratouillé, c'est propre, ça c'est cool. Bon, ça j'aurais dû l'ouvrir par contre pour aérer un petit peu. Et voilà, il n'y a plus de pommes de terre, il n'y a plus les blettes, il n'y a plus des petites salades, il n'y a plus ce qu'il y avait qui traînait partout. La paille, tout ça, gros coup de motoculteur partout pour tout mélanger. Et après, coup de 4 dents pour affiner et régaliser. Donc voilà, le terrain tout neuf, tout propre. Bah ouais, faut tout préparer parce que février va arriver. Et février, ça va être les petits pois. Donc, on prépare le taf. Prochaine étape, manger tout ce qu'il y a à l'intérieur pour que ça dégage. Bon voilà, on a dessiné les planches. Donc je vous présente 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28. Pommes de terre, pommes de terre, pommes de terre et potiro, potiro, potiro. Et ici, bah, je ne sais pas, du coup je dois recommencer du début. Numéro 11, 12, 13, 14, 15 avec les radis noirs. 16 avec les betteraves 7 et 3. Enfin, améliorer 7, améliorer 3. Améliorer 7 sont beaucoup plus belles. Enfin, bref, c'est pas le sujet. Ah, j'ai perdu le fil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Donc 16, 17 et 18 pour les choux kale frisés nains que je vais laisser en graines. Parce que quand tu vois les prix des graines, ben, ça fait mal au. Hein, tu vas où? Ouais, ça fait mal. Donc, enfin, nos graines un maximum. Donc voilà, les planches sont faites. Oh purée, ça faut. C'est la semaine prochaine, j'espère qu'il n'y a plus rien. Il reste de la mâche, les carottes. Enfin, ça va. Ce qui est dans la planche, je vais laisser, même si ça casse les pieds. Mais on mettra des carottes ici, de toute façon. La mâche, on va la manger la semaine prochaine, obligé. Bah, il me reste leur salade, ça va partir au canard. Comme ça, je retire le tunnel. Et je pourrai terminer mon travail, quoi. Voilà, voilà. Super content du travail. Bon, il reste encore plein de trucs. Là, c'est ma machine, un motoculteur. Hein. Je suis pas un fou. Une surface comme ça, maintenant. Maintenant, j'aurais plus besoin, peut-être. Là, j'ai pris ça pour m'occuper de tous mes allers-retours, tout mélanger. Mais maintenant, c'est fini. Hein. Des petites planches comme ça, je fais un coup de motoculteur, je démonte tout. Donc, aux 4 dents, tout doucement, un petit coup de 4 dents, un petit coup de fourche bêche. Trop, trop bien. Ça va faire trop plaisir. Bon, allez, prochaine étape, montage de la serre. Parce que. Ça va y aller là. On y va, on s'approche. Bon, mode. J'ai séparé le coq avec des poules de. Enfin, d'un autre sang en fait. Donc, on me voit dans le poulailler. Eux sont enfermés, ils sont en pause. Voilà, monsieur le coq né ici mars-avril. Et ça, c'est des poules que j'avais achetées il y a 2-3 ans. Et je veux faire les mélanges de mon coq qui est super gros, super beau avec les poules F1, mais des vieilles F1 et elles produisent super bien. Elles font du gros œuf, elles pondent souvent. Ça, c'est de la vraie quoi. La marron, la poule rousse, on dit. Mais sont où les autres? Ah, elles sont là-bas. Du coup, le but c'est de les mettre dans le grand parc et que bon, il leur fait la fête et d'avoir des œufs fécondés. Du coup, de bon, ça c'est du. La poule. Oh, je sais plus, tiens. Oh, c'est du gamme vert, ça, d'il y a 2 ans. C'est pour dépanner, changer de sang. Et du coup, bah, je vais faire du mélange de mon coq avec ça. Donc, j'ai mis 3 marrons. Oh, ils étaient tous là, ils sont partis. Ils sont partis pondre. 3 marrons. Ouais, elles sont là-bas. Et puis la coucou. Mais toi, va voir les filles, toi. Allez hop, va bosser un peu, là. Va mettre des cartouches. Il me faut des œufs fécondés parce que là, ça va être bientôt, hein, les deux, peut-être dans un mois, même pas. Je vais faire aller les couveuses donc je veux du poussin de ça. Moi, je veux ça comme mélange du marron à marron avec mon coq. Ça va faire des belles couleurs parce que du coup, elle c'était ben, son père, c'est un marron, ce je crois, noir avec une marron aussi. Du coup, c'est pour ça que j'ai un cuivre au marron foncé. Là. Et ouais, je vais faire ce mélange là. Donc, à plus qu'à dans 3 semaines, un mois, couveuse. Bon, allez, go. Planche
persil. Non, ça, je crois que c'était un genre d'Italie, mais il n'y a pas l'air en fait. Bon, bah, petit coup de nettoyage la planche A. Et puis raser le persil. Enfin, il y a des navets aussi, il y a plein de trucs. Bon, il faut ranger et faut couper. Allez, go! Bon, là je retire mes racines de géant d'Italie, le persil géant d'Italie. Il y a des carottes énormes. Ah, du coup, des carottes, mais c'est des grosses racines quoi. La super grosse racine, bien profonde. J'allume ma caméra parce que celui qui veut faire du décompactage de terrain, tout ça tout seul, là ça va décompacter. Allez, go. Ça rentre tellement en profondeur. Là, je vais enlever ça. Là. Ça fait la misère à enlever. Regarde ça, comment c'est profond. Ouh. Ouais, même pas. Alors, le problème c'est qu'il y a beau scotcher. Je ne veux pas aller trop profond. Regarde les racines du persil. Terrible. Les cheveux de dingue. Alors celui qui a un sol compact, machin, qui veut décompacter. Persil géant d'Italie. Et en plus t'as du persil. Et en plus c'est la forêt. Hein. Le rembord du persil, c'est une forêt de persil. Tu le laisses monter en graines, t'as des millions, des milliards de graines pour toute la famille. Donc moi je l'enlève parce que moi je suis plus petite feuille compacte comme le frisé plutôt que le géant d'Italie qui était bien au début. Hein, j'avais que ça, hein, j'étais bien content. Mais bon, j'ai essayé le frisé là. Je me retrouve mieux avec le frisé. Après c'est une question de goût. Regarde les cheveux de malade. Ça va partir en cochon. Parce que lui il est toujours en train de retourner la terre pour chercher après des morceaux de racines, de trucs, il va le manger ça. Sans se fatiguer. Voilà, moi le cochon il m'a tout dégommé le terrain. Je ne sais pas ce qu'il cherche dans le fond. Un petit coup de grelinette pour ce week-end, grelinette. Et sinon, fourche bêche, là où, des super outils aussi. Un peu oublié. Parce qu'on n'en parle pas vraiment dans les vidéos. Enfin, on n'en parle plus vraiment. Mais ça fait carrément le taf. Voilà, les vers de terre, pour ceux qui aiment bien les vers de terre. Il y en a du vers de terre ici. Oh, le canard il s'énerve. C'est l'heure du bain. Ouais, je vais enlever ça. Le tour de l'arbre là. Purée. C'est énorme. Hein. Et encore, ça a continué, je suis sûr. Il y a 50 cm de racines. Ah, voilà. Je nettoie. Je vais laisser la touffe là et peut-être la touffe là. Ouais, je vais laisser la ligne. Comme ça sera là-bas. Par contre, ici, il faut que je nettoie. Bon, je vous reprendrai quand j'aurai fini. Voilà. Puis là aussi, j'ai peut-être enlevé. J'en sais rien. Vous verrez bien à la fin. Bon allez, boum, c'est propre à peu près. Ça attendra mars, avril. Quoique c'est super long, je vais remettre des persils frisés, c'est super long. Peut-être les faire avant, en alvéole. Pas trop utiliser de terreau et peut-être même faire du semis direct. Comme ça tu n'utilises pas du tout de terreau. Là c'est nettoyé aussi, et là c'est nettoyé aussi. Bon là pas trop parce qu'il y a aïe des ours quelque part. Mais je sais pas où. Voilà, je nettoyais, j'ai enlevé des trucs de... Ah.
citronnelle, je sais pas quoi là. Il y en avait un peu beaucoup, je m'en sers pas trop trop, mais c'est toujours bien d'en avoir. La grosse sauge, voilà, je nettoyais là, j'étais envahi de. Ah putain, j'ai quoi déjà? Consou de je sais plus trop quoi. J'ai essayé d'enlever le maximum et j'ai mis sur mon parking. Parking qu'on voit jamais, mais c'est pas grave, je l'ai mis ailleurs. Mais tranquille. Le thym, et là c'est des pietruscas, donc c'est pour les racines, pour les bouillons. Et là c'est toute ma menthe, menthe chocolat qui est à l'abri. Donc voilà, les planches sont bien. Là-bas c'est de la cendre. C'est propre, ça restera comme ça va prendre le froid, ça va prendre l'eau, ça va prendre l'air. Et ça attendra le prochain boulot. Bon voilà, c'était vlog numéro 1, je pense que je vais mettre. Et puis bah je ferai ça quand je peux. Dès que je fais des petites bricoles, j'essaie de me filmer pour que vous soyez avec moi sans être avec moi. C'est un peu de travail quand même, hein, la caméra, allumer, éteindre, replacer. Bon, moi je fais au minimum. Je suis pas un super monteur d'image, tout ça. Je fais ce que je peux pour faire des trucs propres. Moi ça me fait des souvenirs, c'est cool. Et vous, ça vous fait une immersion. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Bye bye!